Le membre du bureau politique Pierre Nzaou Nzengi s'est rendu ce jour du côté de la mosquée centrale de Tshibanga pour un moment de partage, un moment d'intense émotion et de recueillement. Sachant que la communauté musulmane est dans la période du jeûne, instant durant lequel il faut atteindre un certain niveau d'esprit, Pierre Nzaou Nzengi n'est pas venu les bras ballants. Il est venu accompagné de quelques présents en soutien au nom du Parti démocratique gabonais. Il est à rappeler que quelques mois avant, le membre du bureau politique, Pierre Nzaou Nzengi, avait sollicité des prières pour la santé du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, calife général. C'est au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. C'est pas une première. C'est pas une première. Honorable, pour une fois de plus encore, et à nos côtés. Et je vous rassure qu'à chaque fois qu'il arrive, c'est au nom du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Alors, il a toujours été à nos côtés. Donc, nous sommes contents. La communauté musulmane est très contente de ce geste encore, je dirais, social et hospitalier. Et c'est une assistance aux mesures de ses capacités. Pour le chef d'État, vraiment, nous croyons fermement que nos prières ont été exaucées, parce que nous avions prié ici, et là, c'était une fois la demande d'honorable ici à mes côtés, qui était venu nous voir, comme il l'a fait certainement pour certaines congrégations, et on a prié ici pour le chef de l'État, et nous croyons que Allah a exaucé nos prières. Donc, honorable ici avec toute la considération et respect que j'ai pour lui, qu'il transmette nos sincères remerciements à son Excellence Ali Bongo Ondimba, et nous sommes de tout cœur avec le chef de l'État, et en tout cas qu'Allah l'accorde encore davantage la santé, qu'il l'accorde tous ses bienfaits de ce bas monde et qu'il lui donne la possibilité d'entrer dans le paradis le plus élevé de Firdaus. Je vous remercie. Il y a quelques mois, j'étais venu à la mosquée de Tshibanga leur demander de prier pour le distingué camarade président qui était en convalescence au Maroc. C'est ce qui a été fait. Le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba est de retour. Il se porte bien. En dépit de tout ce que les gens racontent sur sa santé, le président se porte bien. Il a repris du service. La preuve, c'est qu'il reçoit aujourd'hui des chefs d'État, les diplomates et tout ça. Très récemment, il a reçu les maires de toutes les capitales provinciales, y compris le maire de la commune de Tshibanga. Donc, il fallait que j'aille leur dire merci pour ces prières qui ont été exaucées. Et comme c'est la période du Ramadan, je ne pouvais pas partir les mains vides, parce que la période du Ramadan, c'est la période de partage. Je leur ai apporté quelque chose, quelques produits alimentaires pour leur permettre à ceux qui n'en ont pas de pouvoir bénéficier de quelque chose pour interrompre le jeûne dans la journée.